Alléluia, shalom, peuple de Dieu. Voilà ce que vous voyez ici, c'est le nouveau site de l'église Jésus revient de France à Paris. Le nouveau site de l'église Jésus revient à Paris et qui va changer. Voilà l'église qui a changé et de site et qui va intégrer désormais ce nouveau site dès le dimanche 12 mai prochain et admirer l'environnement. Voilà, c'est l'intérieur. Voyez le décor, la beauté du décor et tout ceci qui vous offrira un cadre acceptable pour adorer le Seigneur dans la sérénité. C'est vrai, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de grand confort pour adorer notre Seigneur. Parce que le grand confort, c'est le ciel. Sur la terre, tout ce qui est confort est vanité. Mais le Seigneur a fait grâce à son église de Paris de leur accorder ce nouveau site dans lequel son peuple va l'adorer en esprit et en vérité dans la sainte doctrine. Donc, si tu es en France, à Paris ou dans n'importe quelle ville en France ou même au-delà de la France, peut-être Belgique, peut-être Allemagne, peut-être en Suisse, peut-être Luxembourg, peut-être Italie ou au-delà, et tu cherches vraiment une bergerie, une communauté où tu vas adorer le Seigneur véritablement en esprit et en vérité, où ton âme sera en sécurité. Voilà, prenez cette adresse, l'église Jésus revient en France à Paris a ouvert ses portes depuis quelques mois et les activités se poursuivent. Et sachez que cette semaine et un programme de 7 jours démarre jusqu'au dimanche 12 où un culte spécial se fera et ce sera le jour de l'inauguration de ce nouveau site. Donc, toi qui suis les activités du groupe Jésus revient à travers les différents canaux de la chaîne Jésus revient TV, nous te convions à ce grand rendez-vous pour adorer le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité, pour être enseigné selon la sainte doctrine, pour que ton âme reçoive de la bonne nourriture, de la nourriture pure et saine. Alléluia. Jésus-Christ t'attend
avec ses anges pour t'accueillir dans cette bergerie. Ne restez pas derrière. Jésus-Christ est vivant. Voyez comment tout est disposé avec un soin particulier pour accueillir les âmes, les nouvelles âmes du Seigneur. Vous, les nouvelles âmes que le Seigneur enverra. Le Seigneur Jésus vous attend. Nous vous rappelons que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent et il attend vraiment que son peuple se mobilise et se rassemble dans un lieu où règne son esprit, où il est adoré dans la sainteté, dans la vérité, dans l'amour et dans la justice, et dans l'honnêteté et dans la sincérité. Voilà, il a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Jésus-Christ est là où on l'adore en esprit et en vérité. Et depuis quelques années, il a créé le réveil à travers le groupe Jésus revient, à qui il a donné mandat de sonner la trompette de repentance, de prêcher la sainte doctrine, d'enseigner à toute l'humanité comment l'adorer en esprit en vérité selon la sainte doctrine. Et c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, ce réveil se propage partout sur la terre. Et donc, la France n'est pas du reste. Et c'est pour ça que le Seigneur a mis un de ses troupeaux ici à Paris. Alors, prenez l'adresse pour ne rien rater. Et nous attendons les bras ouverts pour vous accueillir, pour que ensemble nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme et Dieu de tout esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Shalom. Shalom.